nous proposons aujourd'hui une vidéo sur les retraitements qui permettent de passer du bilan comptable au bilan financier dans l'optique liquidité et exigibilité. Commençons par nous focaliser sur deux postes, et tout d'abord sur la prime de remboursement des obligations. Imaginons une entreprise qui a émis une seule obligation, dont la valeur nominale est de 1 000 euros et qui est assortie d'une prime de remboursement de 100 euros. À l'échéance, que l'on suppose ici dans 3 ans, l'entreprise devra rembourser 1 100 euros, alors que l'obligataire a mis à la disposition de l'entreprise des disponibilités d'un montant seulement égal à 1 000 euros. Par conséquent, pour équilibrer le bilan, il manque 100 euros. Ces 100 euros qui manquent correspondent à la prime de remboursement. On comprend bien que la prime de remboursement n'est qu'une écriture comptable qui permet d'équilibrer le bilan. Ce n'est pas un actif qui aurait une valeur marchande, c'est-à-dire qui pourrait être revendu. C'est donc un actif fictif qui va devoir être retraité, c'est-à-dire éliminé au moment du passage du bilan comptable au bilan financier dans l'optique liquidité-exigibilité. Les écarts de conversion maintenant. Imaginons qu'une entreprise ait réalisé le 5 février une vente de 100 dollars et que, à cette date, 1 dollar soit égal à 0,90 euros. On suppose que cette entreprise est dans la zone euro. Elle va donc comptabiliser tout cela en euros. Dans ce compte de résultat, elle va inscrire une vente pour 90 euros. 100 dollars fois 0,90 euros. Dans son bilan, elle va donc comptabiliser une créance de 90 euros si l'on suppose que le client a obtenu un délai de paiement. Supposons maintenant que le 31 décembre, le client n'a toujours pas payé et qu'à cette date, 1 dollar soit désormais égal à 0,95 euros. Il n'est pas question de modifier le compte de résultat. En revanche, on va constater que si le client payait demain, eh bien, il verserait 100 dollars à l'entreprise, que celle-ci convertirait immédiatement en euros et elle en tirerait 95 euros. On réévalue donc la créance de 5 euros. L'entreprise a donc un gain de change de 5 euros. Et ce gain de change de 5 euros va correspondre à l'écriture d'un écart de conversion passif de 5 euros. Donc l'écart de conversion passif, c'est un gain de change sur la réévaluation de l'actif du fait de l'évolution favorable du taux de change. Passons maintenant au retraitement. Alors nous avons ici un bilan comptable. Nous avons ventilé la plupart des postes entre ce qui est à moins d'un an et ce qui est à plus d'un an. C'est le cas pour tout ce qui concerne l'actif circulant, les stocks et les créances. C'est le cas des charges constatées d'avance. C'est le cas également au passif pour les provisions pour risques et charges, pour la dette financière et puis pour toutes les autres dettes, fournisseurs, fiscales et sociales, sur IMO et diverses, ainsi que pour les produits constatés d'avance qui peuvent être à plus d'un an ou à moins d'un an. Alors pourquoi fait-on ce distinguo? Eh bien parce que dans l'optique liquidité-exigibilité, nous allons avoir d'une part ce qui est à plus d'un an, capitaux permanents pour le passif et actifs immobilisés pour l'actif, et puis ensuite ce qui est à moins d'un an, à savoir l'actif circulant et le passif circulant. Nous allons présenter tout cela sous forme de liste, c'est-à-dire que nous allons d'abord calculer les capitaux permanents, puis l'actif immobilisé pour en déduire le fonds de roulement. Ensuite, nous calculerons l'actif circulant, puis le passif circulant, pour en déduire le BFR. Et nous allons prendre les postes les uns après les autres du bilan comptable pour les placer dans le bilan financier. Alors, tout d'abord, les capitaux propres. Ensuite, nous prenons toutes les ressources à plus d'un an, c'est-à-dire les provisions pour risques et charges à plus d'un an, les dettes financières à plus d'un an, et puis toutes les dettes qui constituent habituellement le passif circulant, mais qui sont à plus d'un an et que l'on met dans les capitaux permanents, qu'il s'agisse de dettes fournisseurs, de dettes fiscales et sociales, de dettes sur IMO ou de dettes diverses. Enfin, n'oublions pas les produits constatés d'avance à plus d'un an. Ensuite, premièrement, n'oublions pas que dans les capitaux propres,
Il y a d'une part la situation nette, c'est-à-dire capital, primes d'émission et de fusion, réserves et reports à nouveau, mais également les subventions d'investissement et les provisions réglementées. Les subventions d'investissement ont vocation à être reprises dans le compte de résultat. Il y a un compte qui est prévu pour ça, le compte 777, quote-part de subvention virée au compte de résultat. Si ces provisions sont réintégrées dans le compte de résultat, c'est précisément pour être imposées. Par conséquent, on va considérer l'impôt latent sur les subventions d'investissement. Par ailleurs, les provisions réglementées ont vocation à être reprises. Si elles sont reprises, elles vont générer de l'impôt. Et donc, je vais dire impôt latent sur subvention d'investissement et également sur les provisions réglementées. Je mets entre parenthèses toute charge. Par ailleurs, il se peut que certaines provisions pour risque et charge soient sans objet. Elles vont donc être reprises. Si elles sont reprises, elles vont augmenter les capitaux permanents. Mais si elles sont reprises, il va y avoir nécessairement un impôt qui va devoir être payé. Donc on va encore une fois devoir considérer un impôt latent, cette fois-ci sur reprise de provision. Sans objet. Et puis, puisque nous sommes toujours dans les capitaux permanents, n'oublions pas que nous avons des gains de change latents qui correspondent aux écarts de conversion passifs. Ces gains de change latents sont anticipés dans les capitaux permanents. C'est-à-dire qu'on fait comme si le gain de change était avéré. Donc on va augmenter les capitaux permanents des écarts de conversion passifs. Mais si on anticipe le gain de change latent, il convient d'anticiper aussi l'impôt latent sur ce gain de change latent, c'est-à-dire IS latent sur écart de conversion passif. Et si l'écart de conversion passif est pris en compte dans les capitaux permanents parce qu'on anticipe le gain de change, eh bien, on va également anticiper la perte de change latente, c'est-à-dire enlever également de l'actif, et nous avions oublié de le mettre, mais nous allons le mettre tout de suite, écart de conversion actif. Nous allons prendre cet écart de conversion actif. Et nous allons le traiter de façon soustractive, comme corollaire de l'écart de conversion passif dans le calcul des ressources, des capitaux permanents. Voilà. Alors, il reste plusieurs choses à prendre en considération dans les capitaux permanents. Tout d'abord, le fait que si nous avons un impôt latent sur les reprises de provisions de sans objet, sur les écarts de conversion passifs, sur également les subventions d'investissement et provisions réglementées, il y en a une partie qui va être payée dans plus d'un an. Cette dette fiscale à plus d'un an va être prise en compte dans les capitaux permanents. Donc on va mettre dette fiscale égale IS latent à plus d'un an. Et puis dernière chose, nous n'allons pas retenir à l'actif les actifs fictifs. Et bien comme nous ne les retenons pas de l'actif, il suffit de les déduire également du passif pour rééquilibrer le bilan. Donc les frais d'établissement, nous ne les prenons pas à l'actif, nous les enlevons de l'actif, donc nous les enlevons du passif. Les primes de remboursement qui sont, nous l'avons vu, des actifs fictifs, ne sont pas retenues à l'actif et sont donc déduites également du passif. Et enfin, les charges à répartir sont également déduites de l'actif et donc, simultanément, pour rééquilibrer, déduites du passif.
Lorsque nous avons fait tous ces calculs, eh bien, nous avons les capitaux permanents que nous allons noter KP. CP étant réservé aux capitaux propres. Ensuite, nous avons l'actif immobilisé. Donc, l'actif immobilisé, c'est d'abord les immos, bien évidemment, hors frais d'établissement qui ont déjà été retraités et hors immobilisation financière à moins d'un an qui vont être prises en compte dans l'actif circulant. Et nous avons également les charges constatées d'avance à plus d'un an. Et si nous faisons la somme de ces deux postes, nous avons l'actif immobilisé que nous allons noter AI. Et si nous faisons la soustraction capitaux permanents moins actifs immobilisés, nous obtenons le fonds de roulement. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le BFR. Pour cela, nous prenons l'ensemble de l'actif circulant, c'est-à-dire d'une part ce qu'on entend habituellement par actif circulant, c'est-à-dire les stocks, les créances, à condition que tout ça soit à moins d'un an, mais aussi les VMP et les disponibilités. Il n'y a pas de notion de trésorerie d'actifs dans l'optique liquidité, exigibilité. Et puis, ce qui est à moins d'un an, c'est également l'ensemble des immos financières à moins d'un an et les charges constatées d'avance à moins d'un an. Tout cela nous donne l'actif circulant. Actif circulant. AC. Et puis il nous reste le passif circulant, c'est-à-dire tous les autres postes de passif qui n'ont pas été retenus jusque-là, qu'il suffit d'embarquer ici. Et puis nous allons également prendre en compte le fait que l'IS latent, qui a déjà été anticipé dans les capitaux permanents, donne lieu à une dette fiscale à plus d'un an, prise en compte dans les capitaux permanents, mais aussi à une dette fiscale à moins d'un an, que nous allons prendre en compte dans le passif circulant. Et donc, là, je procède à quelques petits regroupements pour éviter trop de soulignes inutiles. Et donc, il ne nous reste plus qu'à ajouter l'impôt latent à payer dans moins d'un an. Et nous obtenons ainsi le passif circulant. Nous obtenons ainsi, on peut même faire un copier-coller ainsi, nous obtenons ainsi le passif circulant, PC. Et si nous faisons la différence entre l'actif circulant et le passif circulant, nous obtenons le BFR. Voilà le bilan financier dans l'optique liquidité, exigibilité.